Salut tout le monde, c'est Aurélie, vous êtes sur ma chaîne Happy Coach. Je suis vraiment super contente de vous recevoir sur ma chaîne et vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment, vraiment, vraiment énormément plaisir. Vous mettez de plus en plus de commentaires et vraiment ça m'émeut à chaque fois parce qu'il y a des super compliments et voilà, je suis toujours très touchée de lire tout ça. Avant de commencer, je vous conseille de cliquer sur le lien en dessous pour recevoir la routine de yoga que je pratique au quotidien et pour pouvoir ensuite donc recevoir toutes les vidéos gratuitement de ma chaîne. Alors, je vous reçois aujourd'hui dans mon salon. Mais c'est bizarre quand même, Aurélie, on va quand même pas faire des exercices dans le canapé? Eh bien si. Le but de ma vidéo aujourd'hui, c'est de vous prouver que même en étant dans un canapé, on peut faire de l'exercice musculaire. Vous aurez simplement besoin de votre fauteuil et d'un ou deux coussins. Parce que oui, vous trouvez souvent des excuses en vous disant « Mais Aurélie, j'ai déjà eu ce commentaire, je ne peux pas faire, je ne peux pas suivre ta vidéo aujourd'hui parce que je n'ai pas ce type de matériel. Donc, ben, je ne fais pas de sport. Je ne peux pas faire de sport parce qu'à la maison, je n'ai pas le matériel adapté. » Alors moi, j'ai décidé de vous proposer une vidéo pour que tout le monde puisse faire de l'exercice. Vous avez forcément un canapé à la maison ou alors vous êtes dans une merde internationale et l'huissier de justice est venu taper à votre porte pour vous l'enlever. Si vraiment c'est le cas, appelez-moi tout de suite. J'ai un canapé qui traîne à la maison et vraiment je vous le donne avec grand plaisir. Et vous avez forcément des coussins parce que oui, on va utiliser des coussins. Pas d'haltères. Si vous en avez, peut-être que vous pouvez les prendre, ça ne me gêne pas du tout, hein, vous avez le droit. Mais vous allez voir qu'avec des coussins et un fauteuil, on peut faire énormément de choses et travailler son corps dans la globalité. Donc aussi bien les bras, les jambes, les abdos. Hein, voilà, on va faire un petit total body avec son canapé. Et oui, c'est possible, tu as bien entendu, on va utiliser son canapé, une pièce de la maison que vous adorez, le salon, pour renforcer son corps. Donc vous enlevez vos pantoufles hein, quand même, vous mettez une tenue dans laquelle vous êtes confortable, des baskets ou pas, ça c'est pareil, si vous n'avez pas encore de baskets que vous voulez vous mettre au sport, eh bien ça aussi vous pouvez suivre la vidéo. Je vais me lever hein, et puis on va démarrer. Si vous avez des questions déjà, n'hésitez pas à mettre des commentaires. J'y répondrai avec plaisir et on se rejoint tout de suite en position assise au bord de son fauteuil. Allons-y messieurs, dames. Alors, bienvenue chez moi. Vous vous mettez chacune, chacun au bord de votre fauteuil. Comme ceci. Très bien. Et vous allez placer les bras à l'horizontale, essayer de vous grandir du coccyx au sommet du crâne. Si vous ne voyez pas mes pieds, ce n'est pas grave, hein, je vais lever mes jambes de toute façon. Vous allez lever une fois la jambe droite et une fois la jambe gauche. Donc je suis un petit peu penchée vers l'arrière, sur l'arrière de mes fesses. Je vais essayer de me concentrer sur ma sangle abdominale, d'accord? Je vais lever ma jambe droite, lever ma jambe gauche et à chaque fois, ça le faire dans l'expiration. Ok, gardez le buste vers l'arrière. Voilà, si c'est trop difficile en ayant les bras sur le côté, préférez placer les mains en arrière. Ok? Tranquillement, on expire, on monte. Voilà, très bien. Donc ça va chauffer un petit peu dans le bas-ventre, un petit peu dans les cuisses, hein, ça c'est normal. Ok, donc les bras ici. Grandissez-vous, regardez à l'horizon. Ne mettez pas, vous pouvez mettre des clips par exemple, au lieu de mettre une émission débile comme moi je peux le faire parfois. J'aime bien, c'est les anges de la télé-réalité des fois. Ouais, je sais. Allez, on en fait encore 4, 3, 2, 1 et on relâche. Donc pour relâcher, vous faites des petits enroulés comme ça. Faites des mouvements sexy dans votre canapé. Vous êtes chez vous, faites des mouvements que vous aimez. Non, ça, on relâche un petit peu les tensions qu'il y a pu y avoir au niveau du dos. Parce que quand vous êtes ici, dans cette posture, le grand droit, le transverse est gainé. Mais il y a aussi les obliques qui sont en tension. Et les obliques sont attachées au lombaire. Donc quand vous faites vos montées ici, hop,
travailler aussi dans le bas du dos. Faites quelques petites torsions comme ça. On voit vraiment pas mes jambes, ça me dérange. Hop, continuez. Continuez, salut, je reviens vers vous. Continuez, continuez, continuez. C'est parfait. Bougez les jambes, bougez les jambes, bougez les jambes. Ok, hop. C'est mieux, on voit mes pieds. Ok, on va revenir ici en assise, on se grandit. Très important aussi, c'est le travail de la posture. C'est-à-dire que même quand vous êtes assise à table, si vous êtes avachie parce que vous pensez qu'au niveau du dos, vous êtes plus à l'aise, eh bien vous relâchez les muscles du ventre et vous avez déjà une sensation désagréable au niveau du... quand vous touchez, vous voyez, c'est pas très agréable. Ça fait des petits plis, n'est-ce pas? Redressez-vous, pensez à la posture, grandissez. Le ventre s'aplatit, les muscles du dos travaillent. Ok? Très bien. On va placer les mains à l'extérieur des fessiers. À l'extérieur des fessiers, collés au corps. Ok. On va mettre ses fesses dans le vide. Et on va plier les bras. Hop! Ça s'appelle des dips. Et ça, c'est pour travailler l'arrière du bras. On plie et on remonte. Allez, on en fait 15. 14. 13. Alors, continue. Hein. Là, c'est plutôt facile pour moi. Oui, je sais. Parce que j'ai les pieds proches. Proches. Plus je vais les éloigner, et plus ce sera difficile. Soit plié, soit tendu. C'est vous qui voyez. Ok? Par contre, dans l'exercice, ça ne doit pas faire ça. Ok, c'est pas vos fesses et votre bassin qui doivent travailler, c'est vraiment vos bras. Pliez vos bras, les coudes serrés vers l'arrière. Allez, donc on va rester 8. Essayez de mettre un petit peu de cadence. 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on relâche. On repose ses fesses sur le fauteuil, ok. On relâche un peu les bras. Donc, ce qu'il y a du travail dans cet exercice, ce sont vos triceps et vous avez dû sentir les biceps aussi et surtout sentir les épaules. Donc, je rappelle la posture. Les mains serrées à l'extérieur des cuisses, vous décollez vos fesses, vous les mettez dans le vide et vous pliez vos bras. Je fais un petit peu chaud. Et vous, je commence à être un petit peu essoufflée parce que je parle beaucoup. Donc, on a vu celui-là pour démarrer. Abdominaux, travail de posture. On a enchaîné avec les triceps pour renforcer les bras. On va revenir en assise et on va prendre un petit coussin, non pas pour s'allonger, mais pour travailler de nouveau les abdos et un petit peu plus les obliques. Donc je me replace vraiment les fesses au bord de mon fauteuil. Je prends le coussin dans mes mains, je lève ma jambe droite et ma jambe gauche. Et là, je vais mettre le coussin de chaque côté de mon corps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, je reviens au centre et je relâche. Récupérez, arrondissez un petit peu le dos si vous souhaitez. Donc ça... c'était la première option. Vous pouvez tout à fait réaliser le même exercice en ayant les pieds sur le sol. Si vous rajoutez l'élévation des jambes, forcément, ça travaille un petit peu plus. Ce qu'on va ajouter maintenant, pour qu'il y ait un petit peu plus de renforcement au niveau des cuisses, au niveau des adducteurs, c'est le coussin supplémentaire. J'ai changé de couleur, du jaune, couleur du soleil, couleur de la vitalité. Ici, le coussin entre les... genoux. D'accord? Donc vous placez le coussin entre les genoux, vous reprenez le premier coussin, je soulève mes pieds, je serre mes genoux sur mon ballon, sur mon coussin et je twiste. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, serrez les genoux. 4, 5, 6, 7, 8, 9, dernière, 10. Et on relâche. Ouh, ça va jusque là? Donc j'ai bien serré mes genoux contre mon coussin pour cibler un petit peu plus le renforcement de mes adducteurs. L'intérieur des cuisses, ce que j'appelle moi les chichons. Ouais, c'est pas très grave, mais j'appelle ça des chichons. J'aime bien. Parce que j'ai des chichons ici, des chichons là
J'ai plus de chichons que de nichons, mais c'est pas grave. Troisième option, le coussin, au lieu de le mettre au niveau des genoux, je vais le placer au niveau de mes chevilles et de mes mollets. Je reprends la même posture. Prions ensemble, décollez. Levez un petit peu plus les pieds, si vous pouvez les jambes tendues. Je presse mes chevilles contre mon coussin et je fais la même chose. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je relâche. Donc je répète toutes les options. Pied au sol, number 1, number 2. Décoller les pieds, hop, même chose. Number 3, avec le coussin entre les genoux. Number 4, oui, je parle anglais, au niveau des chevilles. C'est bon pour tout le monde ? On continue. On va se mettre debout. Donc quand je me mets debout, regardez ce que je fais. Je suis bien en appui sur mes jambes. Je prends appui sur mes cuisses. Et je déroule ma colonne vertébrale. Donc voilà, à chaque fois on fait des petites modifications. Ça ne va pas, je suis trop grande. Mais en fait l'exercice, hop regarde, je vais être comme ça. Il y a mon, comment ça s'appelle, mon réalisateur qui fait des petites modifications pendant la vidéo. Donc c'est un petit peu le bazar. Mais c'est pas grave, c'est du direct, c'est du live qu'on aime bien. Alors, je mets un pied en avant et l'autre tibia sur mon canapé. Donc j'ai ma jambe arrière qui est fléchie en appui sur mon canapé. Je regarde à l'horizon, je me grandis, je souris, je suis belle. La vie est belle. Je vais plier ma jambe avant. Alors si mon tibia il est trop sur mon fauteuil, ça ne va pas aller. Donc ici, regardez, l'objectif c'est de faire comme une fente. Vous connaissez cet exercice comme ça? La fente. Oh oui, j'aime bien. Et bien on va faire la même chose avec un pied sur le canapé. Alors si vous avez des baskets dégoûtantes, enlevez-les. Ok, je regarde à l'horizon, je me grandis et je vais plier ma jambe avant et je remonte. Je plie ma jambe avant et je remonte. L'objectif, c'est quand je descends d'avoir mon genou au-dessus de ma pointe de pied, juste au-dessus. Voilà, et j'y vais pour 10. 1, courage. 2, 3, 4, 5, 6, souris, 7, 8, 9 et 10. Ok, je reviens. Je change de jambe. Hop, j'arrive. Oh. Il faut faire les deux jambes. On se grandit. Et on y va. 10, 1, descendez. 2, 3, 4, un peu plus bas. 5, essayez de garder le genou dans l'axe. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, relâchez. Asseyez-vous, 30 secondes. 30 secondes, c'est peut-être un petit peu long, mais asseyez-vous un petit peu, secouez un peu vos jambes. Ça, c'est un exercice qui est parfait pour travailler l'équilibre, pour renforcer les membres inférieurs, bien sûr, mais aussi pour travailler tout ce qui est au niveau articulaire, au niveau tendineux. Si vous avez des fragilités sur les genoux, sur les chevilles, sur les hanches, c'est un exercice qui est très très bon pour vous. Ok ? Une, deux séries. Moi, je vais en faire qu'une pour pouvoir faire un autre exercice derrière. Mais n'hésitez pas à reproduire chaque exercice que je vous donne aujourd'hui plusieurs fois pour que ce soit intéressant. L'exercice suivant, je vais me mettre de profil. Les profils. On va revenir sur un renforcement du haut du corps. Je vais mettre en planche mes épaules ici. Mes épaules dans l'axe de mes poignets. Okay, je vais descendre coude aux côtes et je vais repousser. Alors attention si ça glisse un petit peu. Je descends poitrine entre mes deux mains et je repousse. Poitrine entre mes deux mains et je repousse. C'est un petit peu difficile. Si c'est trop dur quand vous descendez vraiment la poitrine entre vos deux mains, et bien réduisez l'amplitude à des tout petits mouvements. D'accord ? L'objectif, c'est de toujours descendre les coudes vers les côtes.
les coudes vers les côtes. Parce qu'on n'a pas des côtes larges, un buste très large, les coudes serrés vers les côtes. Les coudes serrés vers les côtes. Allez, c'est dur ça. Hein. Et si ça ne va pas, aujourd'hui, c'est pas grave, je fais du gainage. Je fais du gainage et je peux faire des petits mountain climbers, comme ça par exemple. Il y a vraiment énormément de choses à faire avec votre canapé. Au lieu de rester les fesses clouées dessus avec un paquet de chips ou un paquet de M&M's comme j'ai pu faire hier devant The Voice. La solution, ne pas en acheter. Ok, on en fait 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 2, et on relâche. Ouh, asseyez-vous. Bravo. Alors au niveau de la température du corps, ça m'a un petit peu augmenté, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai enlevé cette petite couche. On va terminer par l'exercice le plus simple du monde. Vraiment, c'est quand je vais vous le faire, ça va vous paraître tellement ridicule. Mais c'est pour moi, c'est d'une évidence. Ça va le devenir pour vous. Je vous montre. Lorsque vous vous asseyez et lorsque vous remontez, vous êtes en train de travailler énormément de muscles. Plus précisément, les membres inférieurs. On va renforcer les cuisses, on va renforcer les fessiers. D'accord? Les bras, on va les tendre devant et on va prendre son coussin. Et on va serrer les mains sur son coussin. Ça va activer les pectoraux, les totottes, les muscles des totottes. Donc on va monter et descendre. Monter et descendre. Mais sans véritablement vous asseoir et tout relâcher. D'accord? Voilà. Ici, je pose la tête et je remonte. Allez, regardez mes bras. Ils restent dans la trajectoire. Mes mains dans la trajectoire de mes épaules. Et si on peut, après, hop, on pose juste. On pose juste. Allez, on en fait 20. 20. Juste, tu sens le bord de ton fauteuil sur les fesses. Ah, ça pique. Ah, ça pique. Voilà, tu vois un petit peu l'image. Ah, ça pique. Hop. Encore. Du poil à gratter. Oh, ça pique. Ça gratte derrière. On en fait encore 10. Allez, courage. Essaye de mettre du rythme. Comme ça. En même temps, tu travailles le cardio, c'est bien. Hop. Une pause plus. Une pause plus. Plus que deux. La dernière. Et je m'assois, je relâche. Eh ben, tu vois ton canapé, il ne te sert pas simplement à prendre du bon temps. Mais ce que tu es en train de faire, c'est aussi prendre du bon temps. Vous occuper de vous. Et ça, c'est super important. Pour étirer la cuisse, j'enlève un petit peu mes chaussures. Je me mets à l'aise, je suis chez moi. Je vais mettre ma jambe comme ça. Ma jambe comme ça, tranquillement. Plier mon talon vers mon fessier. Et je me penche un petit peu en arrière. D'accord? Si je suis à l'aise, je peux peut-être aller placer mes avant-bras sur mon fauteuil. Si je suis à l'aise, je peux peut-être m'allonger. Cette position. Ah là là! Donc, nous avons travaillé plein de groupes musculaires. On a travaillé les triceps, les biceps, les épaules, le dos, les abdos, les cuisses, les adducteurs, les fessiers. Je pense que c'est pas mal. Et on a travaillé 15-20 minutes. Donc tu vois, 15-20 minutes dans ta vie, c'est quand même pas la mort dans ta journée. Tes enfants sont à côté, mets-leur un petit dessin animé, fais ta séance tranquille, tranquille. Une, deux, trois fois par semaine. Voilà. Et pas besoin de matériel particulier, un fauteuil, des coussins. Voilà. Ça, c'est un investissement que tu as fait déjà depuis 20 ans, ton fauteuil et tes coussins. Fais-toi un petit kiff, achète-toi un beau coussin. La prochaine vidéo, j'utiliserai du matériel un petit peu plus, comment dirais-je, adapté à la pratique spécifique du pilates.
Là, c'était vraiment pour vous prouver qu'il y a nos excuses, que vous pouvez travailler votre corps, avoir le corps que vous désirez, non pas en restant avachi dans votre fauteuil, mais en vous servant de votre fauteuil pour faire du renforcement musculaire. Voilà, on revient ici pour étirer les fessiers, on croise la jambe devant et on penche. Penchez en avant, rapprochez vos épaules de votre jambe. Et là, ça doit bien étirer dans le fessier, ok? Donc, n'hésitez pas à me mettre un maximum de commentaires, de partager la vidéo, de vous abonner à ma chaîne, forcément, j'ai envie de dire, de partager, de demander à la voisine, dis donc, tu connais pas Aurélie, elle est géniale, viens faire ses vidéos avec moi. Partagez à votre entourage. Ah, le sport, c'est pour tous. Et à cliquer sur le lien en dessous, ça j'ai dit au début de la vidéo aussi, pour recevoir la routine que je pratique au quotidien, pour être bien dans son corps, bien dans sa tête. Allez, on se grandit ensemble, on inspire, on sourit. On relâche tout, on souffle. Encore une fois, grandissez-vous. Inspirez et relâchez, soufflez. Voilà, messieurs, dames, c'était Aurélie sur la chaîne Happy Coach. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, salut !